Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo du Bizarreum. Tout d'abord, un grand merci pour votre enthousiasme pour la dernière vidéo. J'ai bien pris en compte vos commentaires et ça m'a fait plaisir de répondre à vos messages, donc encore un grand merci. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux tatouages sur les momies, donc des momies qui ont été créées par l'homme ou bien des momies naturelles. Et donc on va voir qu'un peu partout dans le monde, justement, on retrouve des tatouages à différentes époques. Donc c'est parti, on va découvrir ces corps qui sont absolument magnifiques et très bien conservés tout de suite. En Sibérie, en 1993, Natalia Polosmak, archéologue de métier, exhume des corps dans la région d'Oukhok, au pied de l'Altaï. Ils font partie de l'ethnie Pazirik, un peuple nomade qui vivait dans la zone il y a plus de 2500 ans. C'est d'ailleurs à cette époque qu'ils ont été inhumés. Nous allons surtout nous intéresser à la femme de cette découverte. Elle était âgée de 25 ans au moment de sa mort, due très probablement à un cancer du sein contracté quelques années plus tôt. Mais des lésions importantes antémortem ont été détectées. Ces blessures importantes ont été mises sur le compte d'une possible chute à cheval, mais il est certain que juste avant sa mort, elle était très maigre et souffrait probablement beaucoup. Le froid ayant bien fait son travail, les corps sont conservés et la jeune femme, qui a été renommée princesse, a été enterrée avec une perruque en crin de cheval, un sac avec une brosse à cheveux et un crayon à maquillage, mais on retrouve aussi 6 chevaux, du bois ou encore des métaux précieux, et aussi un peu de cannabis. Le cannabis a pu être utilisé comme antidouleur dans son cas. Pour information, d'autres tombes anciennes dans d'autres pays ont déjà été découvertes avec des résines de cannabis. Bien qu'elle soit appelée princesse, la possibilité qu'elle ait été chamane persiste. Comme pour les enfants incas de ma cinquième vidéo, des descendants des peuples locaux se sont opposés à l'exposition du corps dans un musée, pour des raisons spirituelles et souhaitant que la mort, au sens large, ne soit pas dérangée. Ils ont même intenté un procès, mais la demande a été déboutée. On retrouve ce genre de conflit lié à l'exhumation des corps dans de nombreux endroits dans le monde. La momie est donc exposée dans des conditions strictes pour préserver toute son intégrité et éviter une décomposition fulgurante. Elle arbore des tatouages assez importants et sur des parties visibles du corps. Niveau technique, on est alors sur une technique normale de tatouage avec de l'encre et des aiguilles. Les chercheurs, en analysant les 3 corps tatoués, ont découvert qu'en premier lieu, ils se faisaient tatouer le devant de l'épaule, ce qui est l'élément le plus visible sur le corps en fonction de la tenue, et en fonction du statut social, se faisaient d'autres tatouages sur le reste du corps pour des raisons symboliques, magiques ou encore pour imposer leur rang. En termes de corps conservés, tout le monde connaît probablement Ötzi. Depuis plus de 20 ans, le pauvre homme est passé sous des centaines de scanners et sous les yeux d'autant de scientifiques. L'homme des glaces, découvert dans les Dolomites à la frontière de l'Italie et de l'Autriche, est mort il y a 5300 ans et fait toujours parler de lui. Il vivait à une époque que l'on appelle le chalcolithique, c'est-à-dire une époque entre le néolithique et l'âge du bronze, et est mort vers 45 ans. Avant de parler de ses tatouages, je vous présente un peu le personnage. Il a été découvert dans un ravin par des randonneurs et était pris dans un bloc de glace. Il était brun et possédait des ancêtres en Sardaigne et dans le Caucase. Ce brave homme était intolérant au lactose, possédait beaucoup de graisse dans ses artères, ce qui en général provoque des arrêts cardiaques, et en plus de ça, il avait la maladie de Lyme donnée par les tiques. Ce pauvre Ötzi a été retrouvé avec plus de 70 objets qui lui servaient tous les jours, comme des vêtements ou encore des armes, à l'image d'une hache et d'un couteau en silex. Ötzi déplaçait les braises de son feu dans un petit seau en écorce, et il vivait à 3200 mètres d'altitude, ce qui n'est pas rien. Il était organisé et pouvait donc vivre en toute autonomie. Après de nombreuses études, Ötzi a été probablement assassiné, c'est ce qui a été déduit. Un fragment de flèche a été retrouvé dans son dos, ce qui a provoqué une hémorragie interne. Il avait également plusieurs blessures et un poignet fracturé suite à une lutte. En bref, la santé d'Ötzi n'était pas forcément bonne. Il avait des anomalies physiques, comme quelques côtes en moins, et n'a jamais eu de dents de sagesse. Partant du principe qu'il devait avoir des douleurs récurrentes dans sa vie, nous allons nous pencher sur ses tatouages. En effet, le tatouage peut, dans sa portée symbolique, être lié à la médecine. Pour Ötzi, beaucoup de chercheurs pensent à des formes primitives d'acupuncture. Des incisions étaient faites dans la peau et du charbon était frotté dessus. Voilà une des techniques primitives du tatouage en Europe.
Ces tatouages se retrouvent sur des zones sujettes à l'arthrose, comme les poignets, les genoux et les chevilles. Au niveau des motifs, il y a principalement des lignes parallèles, mais on retrouve aussi des croix. Pour ma part, je me demande si Otzi n'aurait pas pu se faire ses tatouages lui-même, vu la facilité d'accès de certaines zones. C'est un homme vraiment intéressant en termes de découverte, et je ne peux avoir qu'un peu de compassion pour cet homme qui a dû souffrir, et dont on ne saura jamais pourquoi il a été assassiné. Fait étonnant, Otzi a également sa malédiction, pour les plus superstitieux d'entre nous. Plusieurs chercheurs sont morts après ou pendant l'étude d'Otzi, ce qui a évidemment créé la polémique, comme pour la découverte de Toutankhamon. Mais tout cela n'a rien de surnaturel, car 7 morts en 14 ans, c'est au final relativement peu en termes de temps et de fréquence des décès. Une autre malédiction frappe les personnes se faisant tatouer la silhouette d'Otzi, mais il ne doit s'agir que d'une pure spéculation, car Brad Pitt n'a pas l'air bien dérangé. En bref, Otzi est un personnage passionnant qui nous renvoie des générations en arrière de par sa simple découverte et de par les recherches qu'il suscite. Elle a 3300 ans et a été découverte en Égypte. Cette momie féminine a été découverte dans la nécropole des artisans de la Vallée des Rois par l'Institut français d'archéologie orientale, Cocorico comme on dit. Bien qu'une trentaine de momies exclusivement féminines et tatouées aient été découvertes en Égypte, cette dernière est exceptionnelle car elle est la première à aborder des dessins d'animaux, comme des babouins ou des cobras, mais également des fleurs et des yeux d'Oudjat, les yeux protecteurs. Les momies découvertes précédemment, elles, ne portaient que des traits ou des points, comme notre ami Otzi au final, alors que ce n'est pas du tout la même région. Pour cette momie, c'est l'interprétation qui va être compliquée. En effet, les chercheurs ont fait des parallèles avec le culte de la déesse Hathor en analysant les autres momies tatouées. Pour celle-ci, c'est flagrant selon les scientifiques car elle porte deux tatouages représentant la déesse Hathor, ce qui aurait pu faire d'elle une artiste liée au culte, par exemple. Mais elle aurait également pu être un intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des divins. C'est une pratique qui est attestée par des textes égyptiens contemporains de notre jolie momie durant le Nouvel Empire. D'ailleurs, notre momie possédait 30 tatouages révélés par une lumière infrarouge pénétrante, et c'est énorme pour une femme morte entre 25 et 30 ans d'âge. La Dame de Kao a fait l'actualité dernièrement car son visage a été reconstitué et présenté au public, ainsi que sa momie. Mais la femme de haut rang péruvienne, morte en 400 après Jésus-Christ, possédait un rôle crucial dans sa région. Si vous avez suivi ma vidéo numéro 5, encore une fois, je vous parlais des cultures d'Amérique du Sud. La Dame de Kao faisait partie de la culture Moche. Elle est décédée lors de sa vingtaine suite à une grossesse ou à un accouchement qui s'est plutôt mal passé. La momie est caractérisée, en plus de ses ornements en or qui ont été retrouvés dans sa tombe, par de nombreux tatouages sur son corps, tous représentant des motifs figuratifs mais aussi des serpents ou encore des araignées. Pour la technique, il s'agirait de charbon de bois inséré sous la peau grâce à des aiguilles en cactus. Pour couronner le tout, la Dame de Kao a eu une adolescente dans sa tombe, probablement sacrifiée en guise d'accompagnement mortuaire. Comme quoi le tatouage n'est pas réservé aux momies en Europe et en Afrique. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ce petit tour du monde vous a plu et que vous avez pu découvrir quelques momies que vous ne connaissiez peut-être pas. En tout cas, le sujet m'a passionnée, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et encore, il y a plein de momies dont j'ai pas parlé, des momies chez les Papous ou encore chez des peuples asiatiques. Bref, c'est vraiment, ça couvre toutes les... tous les pays du globe, donc ça c'est vraiment intéressant, donc vous pouvez vous de votre côté approfondir le sujet et vous renseigner là-dessus, sauf si vous êtes déjà fan de tatouages par exemple et que vous en savez beaucoup sur le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir, j'ai fait cette vidéo avec un hashtag qui s'appelle Pouce d'or, et en fait c'est un concours pour les youtubeuses voilà, qui ont moins de 10 000 abonnés, et donc histoire qu'on soit plus représentés sur la toile, donc ça c'est chouette. Et voilà, ce qui explique aussi pourquoi j'ai fait une vidéo de moins de 10 minutes et c'était vraiment vraiment très difficile. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Et suivez mes histoires d'os sur les réseaux sociaux.